Bonjour à tous et bienvenue sur le cahier du pianiste. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre « Tu as un ami en moi », donc tiré du film Toy Story, un morceau qui est juste génial, il est vraiment super. Je vous proposerai probablement la version plus difficile quand j'aurai un petit peu de temps, mais comme vous le savez, c'est une denrée qui me manque énormément. Et voilà, là, je pensais vous proposer d'abord une version facile et pour ceux que ça intéresserait, une version beaucoup plus compliquée. Mais je vous en parlerai une autre fois. Là, ce morceau est assez difficile. Il y a des noirs pointés croches, il y a des triolets, il y a des syncopes, il y a même de la croche noire pointée. Donc c'est noir pointé croche inversée, bien entendu. Il y a plein de déplacements dans tous les sens. Il y a des arpèges pas faciles. Voilà, rien que ça, c'est pas évident. C'est un peu la partie difficile, je trouve, dans le morceau. Donc voilà, il y a plein de choses. Le morceau est dur. Si vous voulez travailler... Excusez-moi pour les travaux, là j'en suis vraiment désolé, mais ça fait depuis un petit bout de temps, donc là je suis bloqué aujourd'hui, je n'ai que ce créneau-là pour enregistrer, donc il y aura les bruits des travaux, j'en suis vraiment désolé. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'en ai carrément perdu ce que je voulais dire. Oui, si vous souhaitez travailler un morceau un petit peu plus facile, mais qui a un peu le même esprit et que vous ne l'avez pas vu, c'était le Livre de la Jungle. Il en faut peu pour être heureux. C'est un morceau qui est dans le même esprit. D'ailleurs, au niveau écriture, il y a plein de ressemblances. Si vous y connaissez un petit peu, vous verrez qu'il y a voilà, ce passage-là. Ça, c'est un petit enchaînement harmonique qui est très, très utilisé. Bon, c'est tout simplement une dominante de dominante, mais elle est utilisée dans le même contexte, de la même manière dans Il en faut peu pour être heureux. Voilà. Si vous souhaitez un morceau un petit peu moins difficile, un peu plus long, mais un peu moins difficile, ce morceau serait parfait. Mais là, tu as un ami en moi. On va commencer tout d'abord par la main gauche. Alors, main gauche, je commence sur le Do, et ça fait Do, Si, La bémol, Sol. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je mettrai directement le quatrième doigt sur le Sol. Sol, 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 pour pouvoir jouer le Do par la suite. Tout simplement. La main gauche est assez facile. Dans tout le morceau, la main gauche, pas de problème. C'est la main droite qui a toutes les difficultés. Et maintenant, on passe à la main droite. Donc là, les difficultés commencent tout de suite. On commence triolet, croche pointé, croche et noir pointé. C'est très très difficile puisqu'on commence, faut penser 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Puisqu'on ne veut pas entendre ça. Où là, toutes les durées sont identiques. Et non, il faut entendre que la croche vaut un demi-temps. Alors que dans le triolet, on divise par 3. Donc c'est 0,33 qui doit devenir un 0,50. C'est pas facile du tout. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Triolet, 2, croche, 2, croche. Triolet, 2, croche, 2, croche. Faut entendre le début, ça doit être un peu comme un temps étiré. Ta, 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 ta. Le triolet, c'est une sorte de, quand on est en binaire, c'est comme si on étirait un petit peu les barreaux pour essayer de passer un barreau au milieu. Donc si on donne Sol, La, Do, Ré, dièse, Mi, Do, La, Mi, Ré, Do, Sol, Sol bémol, troisième, Fa, Mi. Alors là, vous pouvez mettre deux ou trois, peu importe, Mi bémol, Ré, Ré, dièse. Et là, bon, évidemment, et on arrive sur le Mi, mais j'aurais aimé que vous vous débrouilliez tout seul pour la mesure 4, 5, et oui, Mi bémol et Ré dièse, c'est les mêmes notes. Je ne vais pas m'embarquer sur pourquoi Mi bémol et Ré dièse, c'est juste que quand on descend, généralement, on met un chromatisme vers le bas, donc on met les bémols, et quand on est en chromatisme vers le haut, on met les dièses. Mais j'aurais pu mettre très bien Mi, Ré dièse, Ré bécard, Re, Ré dièse, mais ça aurait été moins évident en termes de lecture. De toute façon, quand il y a du chromatisme, c'est toujours un peu tendancieux. Je vous fais donc cette main droite à 60 à la noire. Je vais partir sur le deuxième temps, donc je vais dire 3, 4, 1. Blanche. Et là, on est arrivé. Et je vous propose donc la même chose, mains ensemble. 3, 4, 1, triolet, 2 croches, noir, noir. Je coupe bien ma main gauche. Très léger le sol. Et j'arrive pouce pouce sur Do Mi. La même chose à 80. 3, 4, 1, triolet, 2, croche. On continue à la main gauche,
Do, Si, mesure 7, Do, Si bémol, La, Sol, Fa, Fa dièse, Sol, Do, La, Sol, Fa, Mi, Sol dièse, La, Fa, Mi, Do, Sol dièse, La, Do. Voilà. Main droite, évidemment, ce qui est difficile, et il faut compter les temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Mi, Sol, Mi, La, Sol, Mi. Vous voyez que je suis déjà prévu pour la suite, mesure 8. La, Do, La, Do, La, Mi, Sol. Vous avez vu que j'ai pas bougé une seule fois. Hein. J'ai pas bougé. Donc ça veut dire que vous avez 4 mesures sous les doigts. Si vous vous déplacez, c'est pas bien et évidemment, il faut vous corriger. Hop, je me déplace. J'ouvre la main. Je l'ouvre dans l'autre sens. La, Sol, La, Mi, 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 Mi. Ce qui fait, en comptant, bien sûr, encore une fois, pardon pour les travaux, il faut absolument compter 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4. Il n'y a pas de secret si vous voulez être propre au niveau du rythme. Bien sûr, vous me faites les mains séparées qui doivent d'abord atteindre 100 à la noire, 120 ceux qui sont très forts. Là, évidemment, j'ai pas le temps dans la vidéo. Donc, je vous en supplie, prenez votre temps, bien les mains séparées comme d'habitude. Allez, je vous fais les mains ensemble à... Là, ça va peut-être un peu vite. Je vous fais les mains ensemble à 60 à la noire. Toujours à partir de la mesure 6. 3, 4. Je bouge pas. Quatrième. Hop, je me décale un tout petit peu la main gauche. Là, c'est la main droite qui va se décaler. J'ouvre. Je vais me tromper. Mais ça va, je me suis pas trompé. Allez, même chose à 80. Et là, je dis plus rien. 3, 4. Je continue, mesure 14 avec la main droite, La, Si, Ré, Do, Sol, Mi. Et la deuxième par-dessus, Do, Ré, dièse, Mi. Donc ce qui nous donne. Et hop, je me décale. Alors là, vous pouvez mettre, moi je mets le 3. Donc, 3, 2, pouce, 2 et quatrième sur le Mi. Ensuite, encore une fois, moi je mettrai le 5 avec le 2-5, donc arrivée mesure 18. Et on retrouve après l'introduction. Je vous fais les mains ensemble à 60 à la noire. Directement de la mesure 14. 3, 4. Et on repart, évidemment, mesure 6, on fait la reprise. La même chose à 80, toujours de la mesure 14. 3, 4. Dans le premier crochet, entraînez-vous à faire cette transition. Pardon, entraînez-vous à faire cette transition. Elle n'est pas simple du tout, puisqu'on revient pas de la même endroit. Normalement, on arrivait de la mesure 5 et là, on arrivera de la mesure 21. Ce qui veut dire qu'on n'a pas la même transition à faire. C'est pas pareil de faire. Et là, j'arrive mesure 21.
Rappelez-vous, dans What a Wonderful World, on avait la même difficulté. Et bien sûr, là, si je pars de la mesure 19, vous devez penser, je vais au deuxième crochet. Et là, vous avez fini le morceau. Je suis allé très vite, hein, la vidéo est très courte, évidemment je n'ai pas le temps de vous faire un cours intégralement. Je tiens évidemment à remercier tous mes tipeurs, là j'en ai eu beaucoup, la sortie de la méthode a un peu fait booster un peu tous les côtés, le forum, que ce soit le forum, que ce soit le Tipeee et autres. Évidemment, je vous remercie infiniment. Je vais essayer de vous proposer un contenu en exclusivité au moins une semaine à l'avance, probablement, je vais essayer de vous proposer un petit truc en exclu pour les tipeurs, parce que vraiment, merci à vous, merci à tous. Le petit conseil sur le morceau, vous vous doutez bien, je radote, c'est les mains séparées. Là, je vais très vite mains ensemble pour que vous puissiez tout voir d'un coup. Mais bien sûr, mains séparées et notamment main droite, je vous dirais de ne pas attaquer les mains ensemble sans avoir réussi à faire main droite seule à 100 à la noire ou 80 à la noire. D'ici là, ça ne servira à rien de faire les mains ensemble. Et vous pouvez évidemment travailler par partie. Vous voyez, là, j'ai divisé en 3. Ça me semble tout à fait correct puisqu'on se retrouve avec 5 mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures. Et après, 8 mesures. Ça me semble être le très bon cadrage. Voilà, écoutez, pour celles et ceux qui se posent la question, la méthode ne devrait pas me prendre de temps, en gros, c'est-à-dire sur le principe, ça ne va pas me prendre de temps, mais il faut que j'installe tout le matos, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est pas en fait l'enregistrement en soi qui est long, c'est le fait d'installer le matos et de me trouver, il me faut au moins une bonne après-midi pour tout enregistrer, pour être sûr que le son soit bon, que j'ai le clavier virtuel, etc. Donc il y a du travail, j'espère pouvoir le faire dans les semaines qui suivent et le sortir le plus tôt possible. Encore merci à tous, j'espère que ce morceau vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à commenter, si vous avez des problèmes, allez sur le forum, j'y suis très très souvent, donc c'est le meilleur moyen pour me contacter, c'est le forum, vous êtes sûr que j'y suis et que je surveille les messages. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous pour un prochain morceau. Allez, ciao.